Sous ce Rabbi Nachman, avec l'aide de tous les tzadikim, Rabbi Nachman, qu'on soit zoché de faire descendre les conseils dont on a besoin, Bezrat Hashem, pour la Bezrat Hashem, progresser vers Hashem, trouver l'étincelle de Dieu qui est en nous. Ok, donc on est dans Reshut Gimel. Alors, Shamate Bishmo, Shadiba, Leinian Machlokis. Donc, Rabbi Nathan, il dit, j'ai entendu au nom de Rabbi Nachman qu'il a parlé du principe de la dispute. D'accord ? La machloket, c'est la dispute. Il y avait le Rav Yonatan Eibeshitz, il a dit comme ça. On voit dans la parasha qui est passée. D'accord ? Il a dit, quand Yosef il a fait ses rêves, alors après ses frères, ils ont dit, lo yochlu daber ito shalom. Ils ne pouvaient plus parler avec lui en paix. Rabbi Yonatan Eibeshitz, très grand Talmid Chacham, c'est pas du tout chassid, mais plutôt mitnaged. Il a dit comme ça, il a dit, c'est tout le problème, il est venu de là. Ils n'ont pas parlé. Ils n'ont plus parlé ensemble. Donc ils n'ont pas pu régler le problème. Ah oui. D'un côté, c'est vrai, c'est très honorable, ils n'ont pas voulu lui dire shalom, et dans leur cœur, ils le détestaient. Donc là, on ne parle plus avec lui. Mais du fait que tu ne parles plus avec la personne avec qui tu as un problème, ben, tu ne règles pas le problème. Et donc ça s'est, entre guillemets, envenimé. Alors maintenant, on dit maintenant, Shalichora, Mayerpa Cheze Medaber Alze. Il dit maintenant, a priori, en quoi ça importe quelqu'un que celui-là il parle sur celui-là? Alors, ben, met à l'aider à Machloket, Chicholkim, Alecha, Chicholim, Chaz Veshalom, la piloto, Madrigato, Chaz Veshalom. Alors, Ben Nachman, il vient, il te dévoile un très très grand secret. Il te dit, le fait que tu parles de quelqu'un en mal, tu peux le faire tomber de son niveau. Tu peux le faire tomber de son niveau spirituel. C'est quand des gens se mettent à parler et à dire du mal sur une autre personne, ils ont la possibilité de le faire descendre de ce qu'il devrait être. Parce que premièrement, tu dis, moi, bon, ok, ben, ils ne sont pas contents, hein, ils veulent dire du mal. Ça, non, tant pis pour eux, ils font du lashon hara. Non, le problème, c'est que ça a une très grande influence aussi sur la personne en elle-même. C'est qu'elle risque de tomber, elle risque d'être remise en question. Il dit, Zaniata Vilkote Moran, tu vois ça dans la Torah Resh Nun Ches, d'accord, 258. Quand il y a une dispute sur une personne, il est conspué. C'est pas écrit là-bas, c'est dans les ajouts ça. Alors il est possible, quand il y a une machloket sur quelqu'un et qu'on se met à parler sur lui, on peut le détourner du chemin d'Hachem et le faire tomber. Et c'est pourquoi David Amelach dans les Tehillim, d'accord, il s'est, entre guillemets, enorgueilli, c'est Rabim Rodfai Vetsaray. Il y a beaucoup de gens qui me pourchassent et qui me font du mal. Et pourtant, je ne suis pas détaché de ton témoignage, c'est-à-dire je n'ai pas quitté les mitzvot, je ne suis pas tombé des mitzvot. Mais a priori, c'est incroyable. Bien qu'il y ait eu une très grande machloket sur lui et de beaucoup de gens, il ne s'est pas détourné du chemin d'Hachem. Quoi ? Donc il faut savoir qu'on a un très très grand pouvoir avec notre bouche. Un très très grand pouvoir. De la même façon que si tu dis du bien sur quelqu'un, tu peux l'élever. Comme dit Rabbi Nachman, il dit dans la Torah, je peux bête. Tu ne lui parles même pas. Mais par exemple, tu sais que quelqu'un, il se comporte pas comme il faut. Maintenant, toi, tu commences à te mettre la metzrout à l'œuvre. Ça veut dire quoi, mettre la metzrout ? Tu commences à dire du bien sur lui. À chercher du bien en lui. Même si. Ou quoi, il te voit pas. Ouais. Parce qu'il y a un problème qui se pose. Si quelqu'un est en train de faire du Navera et tu viens, tu dis non, mesquin, c'est pas grave, t'as pas le droit. Mais il est pas là. Ouais. Il est pas là. Toi, maintenant, tu es dans ta tête, tu parles avec Hachem, tu commences à dire du bien sur lui. Dis, mais tu sais, cet homme-là, il aime beaucoup ses parents. Et tous les Yom Shishi, tous les vendredis, il les emmène au supermarché pour qu'ils fassent les courses. Et c'est un homme, et il fait attention à ne pas laisser ses poubelles devant chez lui. Tout le bien que tu sais sur lui, tu commences à lui dire. De façon automatique, tu élèves sa neshama. Tu le sors de sa place. Tu le juges les kafsroutes, tu l'élèves. Alors de la même façon que tu peux, ce qui vient de revenir, qui vient te révéler là, c'est que de la même façon que tu peux élever quelqu'un et lui faire tchouva, d'accord, à l'idée que tu vas dire du bien sur lui, par le fait que tu vas dire du bien sur lui,
De la même façon, si tu dis du mal sur quelqu'un, tu peux le détacher de la Torah, tu peux même le faire tomber. C'est une aura. C'est un pouvoir. La reine de la machloket, elle est si problématique. Le fait de rentrer dans... Je comprends le mot machloket. Oui. La machloket, c'est la dispute. Oui. D'accord. Je ne sais pas comment tu dis. Je ne me rappelle pas. Je sais pas comment traduire ça exactement en français. D'accord. Même machloket, c'est-à-dire cholkimalab, c'est-à-dire qu'on se sépare de lui. Même dans le mot machloket, c'est le mot les chalek. Se séparer. Séparer. Ouais. On se coupe. En fait, on le coupe. Quand tu fais machloket sur quelqu'un, quelque part, tu le coupes. Ouais, tu le coupes de son énergie spirituelle. Tu peux arriver à le couper de son énergie spirituelle. Aucun tiens mourra voté nous sur mon âme, les bracha. Et ça ressemble à ce qu'ils ont dit nos tzadikim. Les bracha. Shiratsu limnod gam et shlomo amelech alav ou ashalom. Ils ont voulu. Non, si je me rappelle, je crois que dans la masquette Shabbat, il y avait un problème avec Shlomo Amelech. Parce que Shlomo Amelech, il a écrit un livre qui s'appelle Michelet, Kohelet. Il a écrit des livres sur lesquels les tzadikim de l'époque, les talmid chachamim de l'époque, ils ont eu des grandes questions. Il y avait des contradictions là-bas par rapport à la Torah. Ils avaient l'impression qu'il y avait des contradictions par rapport à la Torah. Donc ils ont voulu le mettre à l'écart. Ils ont voulu, si tu veux, se séparer de Shlomo Amelech. Shlomo Amelech, c'est le fils de David Amelech. Bon, ça a été très embêtant pour nous parce que Shlomo Amelech, c'est celui qui a construit le Beth Amigdash. Donc, si on l'avait mis dehors, on m'aurait embêté. Ouais, parce que c'est lui qui l'a construit. Il a construit le Beth Amigdash. Donc, si on l'avait pas fait faire son travail, lui, on l'avait pas laissé faire son travail, alors il nous aurait manqué une petite pièce dans le puzzle là. Mmh. D'accord ? Enfin, une petite pièce, c'est la pièce essentielle, c'est le binyan Beth Amigdash. Ah, Tcheba David, Vinishtater, Lifnem, Vechoulé. Jusqu'à ce que David Amelar lui-même il est venu et il s'est prosterné devant eux, Vinishtater, d'accord, pas prosterné devant eux, mais il s'est courbé devant eux, d'accord, et il a adouci là-bas la rigueur. Lamed, Talmud Yerushalmi, Masrat Sanhedrin. Il me semblait que je l'avais vu dans le Shabbat. Rabbi Hananav, Rabbi Yoshua, Ben Levi, Besha, Shnim, Nouva, Amou, Shlosha, Melachim, Verbam, et tu attends, En Lem, Chelek, Leolam Abba. Tu vois, Rabbi Hananav, tu ne parles pas de. Dans le Talmud de Yerushalayim, Rabbi Hananav et Rabbi Yoshua ben Levi, ils ont dit il y a trois rois et encore quatre autres personnes qui n'ont pas de part au monde futur. Ils n'ont pas de part. Pourquoi? Bon, chacun pour, par rapport à des erreurs qu'ils ont faites. Il y a des rois qui étaient bémadés, entre guillemets, des Rechaim. Mm. Pas entre guillemets, il y a des rois qui ont fait des choses très très graves. Il y a des rois qui ont rentré des idoles dans le Beth Amikdash. C'est vrai? Ouais, bien sûr, Rachav. C'est plus, il y a des rois qui ont vraiment tourné Kazakh. Il y a des rois qui ont détourné tout l'homme Israël, tout le peuple d'Israël du service divin. Achav. Achavram, il a fait construire des veaux d'or, comme ça, des sortes de taureaux, de trucs. Et il a poussé tout l'homme Israël à les servir, pour pas qu'ils montent à Yerushalayim au temple. Donc il y a des rois qui, Bémet, ils ont fait des choses qui étaient terribles. C'est vrai. Parce que nous, on ne comprend pas le Yitzhara de la Vodazara. Aujourd'hui, si on te dit, prosterne-toi devant un morceau de bois, tu vas rigoler. Ouais. Si quelqu'un te dit maintenant tu vas pas travailler une semaine, tu vas aller à l'Ekshiva, tu dis oui, impossible. C'est vrai, bon. Ouais. Il faut voir, aujourd'hui la Avodah Zarah elle a été déplacée. C'est-à-dire que Chachamim, ils ont déplacé la Avodah Zarah, ils ont déplacé la Avodah Zarah sur quoi? Entre autres sur l'argent. Donc aujourd'hui, nous, la plus grande Avodah Zarah qu'on fait, c'est au niveau de l'argent. Ça, c'est un peu le dieu du monde. C'est pas pour rien que les Américains écrivent sur leur billet on croit en Dieu. Mais c'est écrit sur le billet. C'est marrant comme histoire. Mais si tu crois en Dieu, pourquoi t'écris ça sur le billet? Parce que l'argent, c'est le moyen de l'homme de régner. Ouais. Tu comprends qu'il y a un problème? Ouais. Il y a quelque chose qui ne va pas. En vérité, ton Dieu, c'est l'argent. On le voit bien qu'en Amérique, le Dieu, c'est l'argent. C'est, tout est géré par rapport à combien tu gagnes. Ouais, c'est vrai. Tu gagnes beaucoup, tu es important, tu as un Dieu. Ouais, exactement. Tu gagnes rien, tu n'as manqué rien. Ta vie, elle vaut rien du tout. Et comment on fait ici alors? Ça veut dire si je veux pas faire de la Avodah Zarah mais en essayant d'en gagner, mais de pas rentrer dans. Un juif, c'est pas quelqu'un qui est censé être pauvre. Oui. C'est pas forcément quelqu'un de riche, mais c'est pas quelqu'un de pauvre. Pas dit pour être juif, il faut que tu. Non, on n'a pas de. Comment ils appellent ça chez les chrétiens, je crois qu'il y a ce truc-là de le don, tu fais don de tous tes biens, un truc comme ça. Ouais. On n'a pas d'obligation comme ça, on n'a même pas de besoin comme ça. On a le malasser, mais ça c'est le. Voilà. Ah déjà, par exemple, l'une des choses qui calme complètement l'amour de l'argent, c'est de donner la tzedaka. Alors, plusieurs sortes de tzedaka. Il y a la tzedaka de donner de l'argent à quelqu'un, voilà, quelqu'un qui vient, tu lui donnes une petite pièce, machin, machin. Et il y a ce qui s'appelle maaser, je gagne de l'argent. Comment je sanctifie mon argent? Ça veut dire quoi, sanctifier mon argent? Sanctifier mon argent, ça veut dire
que je vais rendre mon je vais rebrancher mon argent avec Hachem. Parce que quand je travaille, forcément, qu'est-ce que j'ai l'impression? J'ai l'impression que c'est moi qui fais. Donc elle est là, la Avodah Zara. J'ai l'impression que si je fais, je vais gagner. Si je fais plus, plus. Si je fais moins, moins. C'est ce que j'ai comme impression à la base. D'accord? Donc déjà tout de suite, il y a la Avodah Zara. Parce que vous voulez Hachem. Toi, tu fais quoi? Tu gagnes quoi? Et alors, même si demain, Khalila, une personne peut gagner, elle a mis 2 millions de dollars de côté. Il ne peut pas se passer une situation où Hachem lui fait disparaître ses 2 millions de dollars. Le marché de la bourse il s'écroule, sa maison elle prend feu, Khalila il a un enfant qui tombe malade et en 3-4 ans il a été obligé de faire des opérations terriblissimes qui lui coûtent tout son argent et il se retrouve une main devant une main derrière. Donc c'est ridicule, c'est des choses ridicules. Ou tout simplement il meurt. Voilà, d'accord, il a 2 millions de dollars mais lui il est mort. Alors nous, qu'est-ce qui. Tu vois moi, comme on dit, Rothschild, il y a un des Rothschild, il a dit. Après avoir gagné tout ce qu'il avait gagné, il a dit, au moins il y a une chose dont je suis sûr, c'est que je ne mourrai pas de faim. Ça n'a pas trouvé grâce aux yeux d'Hachem. Et un jour, il est rentré dans son coffre et il s'est enfermé dans son coffre. Et il est mort de faim. Pourquoi? Parce que son coffre, il s'est refermé sur lui. Ah oui, d'accord. Il n'avait pas de moyen de rentrer en communication. C'est pas aussi évolué qu'aujourd'hui, les téléphones. Il n'y avait pas de téléphone. Il n'avait pas prévu cette situation. Donc il n'avait pas de moyen de l'intérieur du coffre de rentrer en contact avec les gens qui étaient dehors. Et à première vue, il a dû rester plusieurs jours sans qu'il y ait des personnes qui viennent. Donc, il est mort de faim. C'est horrible. Avec tout son or, et tout son coffre, tous ses lingots, tout son argent, toute sa richesse. D'accord? Ça c'est beau. C'est des grands barlets de Tzedaka. Les routines en général, c'est des grands barlets de Tzedaka. Ouais. Mais maintenant, à leur niveau à eux, on va leur demander donc un plus gros effort, puisque... Ils ont une plus grande richesse, donc ils ont aussi un plus grand travail à faire pour rester calme. Nous, qu'est-ce qu'on gagne? On gagne pour finir le mois, de temps en temps, il reste un petit peu, d'accord? Parce que ce que tu gagnes pour finir ton mois, ça s'appelle pas de la Avodah Zara. T'en as besoin, tu dois payer ton loyer, tu dois payer ta voiture, ta carte de bus, les machins, les écoles, ton Shabbat. Ok, sur ça tu vas pas te prendre pour un dieu. Le problème, c'est sur ce qui reste. Si à la fin il reste 5 000, 10 000, 20 000, c'est là que la tête elle commence à mal tourner. Alors, le principe de la tzedaka que tu donnes, le maaser, c'est que tu relis cette chose-là à Hachem. Tu dis voilà, moi ce que j'ai gagné, c'est parce que toi tu m'as permis de le gagner. La reine, je prends une part et je la redistribue. Pour montrer que moi aussi on m'a distribué. Moi aussi on m'a donné. C'est pas moi qui ai acquis. C'est pas moi qui ai fait. Donc ça refroidit complètement l'amour de l'argent. Après, en plus, cet argent-là, ça devient de l'argent cachère. Parce que comme tu l'attaches avec Hachem, c'est plus un argent qui va te faire faire des avirot. C'est plus un argent avec l'argent. Même quand il va lui rester de l'argent, il ne va pas avoir envie d'aller faire des bêtises. Donc voilà, envie de faire d'autres mitzvot. Il va acheter des livres, il va aider des gens, il va faire du bien, il va améliorer son Shabbat, sa kashrout, ses habits, il va changer ses tefillin, je ne sais pas. Je ne sais pas si il y a beaucoup de gens. Même parce que cet argent-là, il va être propre. Quand tu ne donnes pas le maaser ou tu ne donnes pas la tzedaka, alors l'argent, il est sale. Ça veut dire quoi, il est sale? C'est qu'il va te tirer vers ton côté esclave, c'est-à-dire ton corps. Achète plus à manger, une plus belle voiture, il faut que je change les lunettes. Ouah, ça fait déjà 6 mois qu'on a le même canapé. Oh là là, c'est très grave. C'est très très grave. D'accord? Des bêtises. Mais à cause de ça, le bonhomme, il court. Il faut changer, donc il court, et il court, et il court. Et il rentre dans des dimionotes. C'est ça le dimion, le médamé. En fait, au lieu que ce soit l'âme qui prenne le dessus, c'est le côté esclave qui est en lui. D'accord? Nous il faut que ça soit clair. Il faut que ça soit clair. L'homme, il est composé de deux principales parties. Son âme et son corps. Son âme, c'est le roi, c'est le fils du roi. Et son corps, c'est l'esclave. Normalement, avant la faute d'Adam Harishon, on aurait pu arriver à un niveau où le corps, il s'inclut complètement dans l'âme. Ça veut dire quoi? C'est que le complètement dans l'homme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le corps, il aurait pu être un problème pour servir Dieu. Il n'aurait pas tiré vers ailleurs. Avoir les yeux qui regardent à droite, à gauche, et des trucs. J'ai faim, j'ai soif, je suis fatigué. Je n'ai pas envie de me lever à la tefila. Je n'ai pas envie de rester réveillé. Je m'endors des jeux, je suis au toit. D'accord? Le corps, il n'aurait pas tiré vers lui-même. Achète-moi des habits. L'orgueil qui sort de tout ça. Le corps, il aurait été un avec l'âme. Il aurait tout le temps aidé l'âme à servir Hachem. À partir du moment où il y a eu la faute d'Adam Harishon,
il y a une séparation et même un inversement. Une inversion, c'est grave, pas un inversement, une inversion. C'est que maintenant, on dit Oved Hashem. Dans le mot Oved Hashem, tu entends? Il y a le mot Eved, esclave. Ah. Nous, on est des esclaves de Dieu. Je dis, mais attends, je comprends pas. Tu viens de me dire que servir Dieu, c'est être un fils de roi. Pourquoi tu m'appelles esclave? Oui. Un problème. Alors, je suis un Eved Hashem? Ou je suis un fils de roi? Tu vois, dire? Alors, pourquoi ça s'appelle comme ça? Il dit, parce que à la. Pendant une grande, grande période de notre vie, une bonne période de notre vie, le temps qu'on travaille, c'est lourd pour nous la Torah. On pratique la Torah comme un poids. On porte. Ouais. Pourquoi? Parce que le corps, il nous empêche de sentir ce qu'on fait. Si ton corps ne t'empêchait pas, tu vois, tu lirais deux mots là comme ça, tu pourrais même plus rester dans ce monde. Tu comprends? Tellement tu aurais envie, tellement ton âme, elle aura envie d'aller vers Hachem, tu ne pourrais pas rester ici, on ne pourrait pas rester dans ce monde. Maintenant, nous, on a ce poids mort qui s'appelle le corps, qui nous empêche de sentir. Tu dis, tu ne comprends pas, tu ne parles pas l'hébreu, tu ne comprends pas de quoi il parle, ouais. Tu es fatigué, tu as dans ta tête tout le travail que tu dois faire, tu dois l'abattre. D'accord? Donc, il y a une inversion. Donc, on est obligé de se bagarrer très longtemps. Pendant des années de travail, on se bagarre pour remettre le corps à sa place. Tu manges à cette heure-ci, tu te lèves à cette heure-ci, tu regardes pas ça, tu parles pas comme ça, tu t'habilles pas comme ça. On est obligé de le remettre à sa place, doucement, 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 doucement. Alors plus on le désépaissit, et plus on commence à vibrer. Tu commences à ressentir, t'étudies, tu sais pas pourquoi tu t'es bien, tu sors, t'as étudié, t'es bien. Ouais, c'est vrai. Tu vois, t'es bien, t'es. Qu'est-ce que t'as fait? T'as gagné quelque chose? Quoi? T'as signé un contrat? T'es pas rempli? Ils t'ont dit on t'offre une voiture? Je sais pas moi. Non? Non. J'ai rempli mon âme. Plus tu étudies, plus tu pries, plus tu pratiques les mitzvot, et plus le corps il se raffine, il se désépaissit, il se met à sa place d'esclave, c'est-à-dire de servir l'âme. Et vice-versa. Moins quelqu'un fait des mitzvot, moins il étudie, moins il prie, et plus le corps il devient énorme. Énorme, énorme, énorme. Donc après, tu me dis de prier, mais c'est pour lui un calvaire. Si tu viens me faire perdre mon temps, de quoi tu parles? Je sens rien, un truc. Il y en a, c'est ça, c'est vrai. Il y en a qui, même juste mitra, non là, sont... Même compléter un minyan, Azov. Même ça, ouais, ça les. Non, ça, il dirait, c'est fou. Après, moi, je juge pas, mais je dis pourquoi enfin, y a... Parce que le corps, il est énorme. Ouais. Le corps, le côté, son côté esclave. Il a bouffé son côté Neshama. Et il ne le sait pas. Il ne le sait pas. Alors il te dit, mais attends, il faut travailler, il faut faire de l'argent là. Ouais. Pourquoi tu fais de l'argent, tu ne meurs pas? Jusqu'à Mehav et Esrim, tu... si tu as fait de l'argent, tu... il se passe quelque chose de spécial avec toi. Qu'est-ce que tu fais? Où tu vas? Non, c'est pour l'instant T, quoi. Il travaille pour dire non, parce que je vous l'ai dit, il faut acheter ça, il me faut ça, il me faut ça, il me faut ça. Et... Alors et... ça, c'est le signe. Le signe. Le corps très épais. Ça veut pas dire qu'il est gros. Il peut être tout musclé, tout fin, maigrichon. C'est pas une question d'épaisseur. Ouais. C'est pas une question d'épaisseur de corps, d'accord? Ok. Pas du tout. C'est que son corps il a pris toute la place. Et son âme elle, à peine le minimum qu'il vaut pour qu'il reste en vie, c'est tout. Elle arrive à peine à lui faire rêver quelques rayons de lumière juste pour qu'il arrive à ouvrir les yeux et fonctionner. Mais il n'y a plus tellement de différence entre lui et un animal. Maintenant, à la seconde où il décide de changer, il change, d'accord? Ouais, c'est vrai. Ok. À la seconde où il décide de se prendre en main, il sort de là, il n'y a pas de problème. Mais il peut vivre aussi une vie comme un animal. C'est-à-dire, je vais au travail, je mange, je bois, je dors, je mets de l'argent de côté parce qu'on ne sait jamais pour la retraite. Bon, on ne sait pas qui est-ce qui lui garantit qu'il va arriver à la retraite. Ce n'est pas sur quoi il se base. Sur quoi il se base que dans 60 ans, il sera vivant. Ouais, c'est vrai. Tu vois, c'est pas. Et dans quel état? Ok, alors Bonaguide, aujourd'hui, alors il va dire oui, mais il y a une espérance de vie jusqu'à 74, 75, je sais pas, 80. D'accord. Il dit, mais dans quel état tu vas arriver là-bas? Est-ce que tu pourras vraiment en profiter, ton argent? Est-ce que l'état ne va pas faire faillite? Qu'est-ce qui va se passer avec toi, ta femme, tes enfants? Tu comprends? Il y a des paramètres qu'il a aucune possibilité de gérer. D'accord? Aucune. Excuse-moi. Ça va? Voilà. Non, ça c'est très important parce que c'est une chose que je voulais te dire. L'essentiel dans ce monde, c'est ta volonté. C'est ta volonté.
Et en vérité, toutes les épreuves que tu as, c'est pour augmenter ta volonté. Parce qu'avant de monter, tu vas avoir une descente. Pas toi spécifiquement, tout le monde. Chaque fois que tu vas devoir monter, il va falloir d'abord qu'on te fasse tomber. Tu sais pourquoi? Parce que monter et descendre dans la Torah, ce n'est que avoir plus ou moins de volonté. De quelle volonté on parle? La volonté de servir Hachem. Et la volonté de servir Hachem, elle ne dépend pas du fait que tu connaisses ou pas le chasse ou tous les écoutes moindres par cœur. Et va d'ailleurs que quelqu'un qui connaît tous les écoutes moindres par cœur et tout le chasse par cœur, ça va être, normalement ça devrait être beaucoup plus facile pour lui. Mais il peut aussi étudier, il peut utiliser aussi la Torah en tant que sagesse. Ça peut être très intéressant pour lui, il n'y a aucune intention d'appliquer. Donc il est même souvent beaucoup plus loin que la personne qui sait tout juste ce qu'elle doit faire le matin et ce qu'elle doit faire dans la Torah, mais vraiment le minimum du minimum. Mais qui veut? Elle veut. Par exemple, tu vois mon beau-père. Mon beau-père, il vient d'une famille avec de la Torah, mais ça n'a pas été très développé chez lui. Mais quand il arrive en Israël, il a décidé qu'il devait donner une éducation juive à son fils. C'est ce qu'on va voir à Meir Marvin. Alors, il a décidé qu'il devait l'emmener à la Beth Knesset. Alors, mon beau-père, il disait pas trop l'hébreu. Bon, c'est sûr qu'il comprenait rien ce qu'il se disait, ce qui se faisait là-bas. Il venait avec le journal. Il a emmené son journal, mais il a emmené son fils. Il avait une volonté, il y a quelque chose qui était meilleur, quelque chose qui s'allumait chez lui. Il a compris qu'un juif, il avait besoin d'un... Il avait besoin de Torah. Qu'un juif, pour être un juif, il avait besoin de Torah, de mitzvot, de lien avec l'infini. Comment il a compris ça? Pourquoi il a compris ça? Je ne sais pas. Meyolo. Mais pour te dire, tu vois, ça en arrivait à une sorte d'absurdité. C'est qu'il venait à la Beth Knesset pour son fils. Maintenant, comme il ne comprenait rien, il prenait le journal. Tu vois? Mais moi, il venait. Ouais, il venait. Et bien, son fils est devenu un très grand tzaddik. C'est vrai? Très, très grand tzaddik. Un grand Talmud Raham aussi. Parce que cette volonté qu'il avait, c'était une volonté ferme, absolue. Il n'y avait pas de date, il n'y avait pas de tête. C'est une volonté, c'est quelque chose qui a brûlé, c'est passé dedans, c'est passé à son fils. Ça a pris le temps que ça a pris. Après, il a trouvé une yeshiva, des yeshivas qui ne marchaient pas, un truc qui s'est bagarré pour le mettre dans des yeshivas qui n'avaient aucun rapport avec son milieu. Lui, tranquille, gentil, Masorati, il a pris son fils, il a rentré dans une yeshiva. Une yeshiva charedite très très sérieuse, de très haut niveau, tu vois. Et il a fait des pieds et des mains parce qu'ils n'ont pas voulu l'accepter. Il dit, monsieur, d'où vous débarquez? C'est-à-dire, ce gosse d'abord, il va pas suivre. Comment il va faire ici si c'est des gens qui ont l'habitude d'étudier? Il n'a pas lâché l'affaire. Il a pas, jusqu'à ce qu'ils l'ont pris, et il a fleuri. Maintenant, tout ça, c'est pour... Il faut comprendre un truc. Un juif, ça ne se mesure pas à sa réussite. Ça n'a aucun intérêt pour nous. Un juif, ça se mesure à combien tu veux. Tu veux beaucoup servir Hachem, c'est génial. Tu veux un peu, c'est moins génial. Maintenant, qu'est-ce que tu réussis à faire? Ça, c'est est-ce que Hachem il va t'ouvrir ou pas? Est-ce que dans les faits, tu vas réussir ou pas? C'est notre problème. C'est notre histoire. Maintenant, quand on vit comme un esclave, c'est le contraire. Comment on pense? C'est pas important ce que tu veux ou pas. Qu'est-ce que tu arrives à faire? Combien tu as sur ton compte? Quelle voiture tu as? Comment tu paries? Tu paries bien? T'es bien. Tu paries mal? T'es mal. Dans la Torah, ça n'a rien à voir. Dans la Torah, on dit, où tu es? Où est ton ratson? À quoi tu penses quand tu es au travail? Tu te languis la demi-heure que ce soir tu vas avoir peut-être avec ta femme, ou tu vas faire un peu de midrash raconte, ou tu vas faire de halakhot, ou le cours que tu vas écouter pendant que tu roules. Où est ton cœur? Parce que c'est ça qui est le plus important. Le résultat, il est bien, bien, bien secondaire. Maintenant, si quelqu'un il veut et qu'il n'arrête pas de vouloir, il va arriver à des grands résultats. Dans la plupart des cas. Dans la plupart. Ou lui, ou ses enfants. D'accord? Mais ça va émaner. Ça va émaner. Parce que ce qu'elle capte ta femme, ce qui capte nos femmes, ce qui capte nos enfants, c'est pas ce qu'ils te voient faire. C'est pas ce qu'ils doivent faire. C'est ce qu'ils ressentent de ce que tu fais. Tu peux dire, tu peux faire le kiddush avec toutes les kavanot du kiddush et tu fais le lechamiroud et tu trucs et des levains et des comme ça et tu rajoutes les trois coups d'eau et tu machin et tu bidules. Et t'as des nerfs.
T'es énervé. T'es énervé d'être là, t'es énervé d'être juif, t'es énervé. C'est ça qui va ressortir ton fils. Ton lechem yehou, tout aussi magré là, il va rien voir. Il va voir le kidouche, c'est énervant. Ouais. Et ça va lui prendre peut-être des années pour se libérer de ça. Que non, le kidouche, c'est pas énervant. Le kidouche, c'est un des moments les plus émotionnellement chargés. C'est le moment où tu sors du rôle pour entrer dans le Kodesh. Tu sors de ce monde pour entrer dans un autre espace-temps qui s'appelle Shabbat. Mais ça, de base, c'est pas quand on fait la prière, non, un arvit. Ouais, après arvit. Ouais. Après arvit, tu fais le kidouche. Après arvit, tu rentres chez toi, tu fais le kidouche pour toi, pour ta femme. Ouais, c'est ça. Tu attaches tes enfants. Ouais. Tu vois plus si tu as les enfants ou pas. Non, pas encore. Laisse attacher. Maintenant, si le seul problème, il est quoi? Non. Enfin, c'est pas le seul problème. Maintenant, est-ce que tu comprends pourquoi tu dois descendre avant de monter? Tu dois descendre pour vouloir, pour pouvoir acquérir cette montée. Parce que le meilleur moyen pour donner envie de quelqu'un de vouloir, c'est de lui enlever la chose. Si maintenant, tu vois, quelque chose auquel tu t'es habitué, il est tout le temps devant toi. Au bout de quelques jours, tu ne le vois même plus. Maintenant, si quand il est posé devant toi, il vient quelqu'un, il l'attrape, il le prend, il part avec, tu dis, oh, c'est à moi. Mais Benjamin, ça fait 10 jours qu'il est posé le truc là, tu ne l'as jamais utilisé. Pourquoi tu me prends la tête? Elle dit, non, mais c'est à moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Le fait qu'on t'a repoussé, le fait qu'on te l'a pris, ça t'a donné envie de l'avoir. Ouais. C'est-à-dire que quand tu veux donner de la volonté à quelqu'un, d'ailleurs c'est ce qui s'appelle la contre-pub, non, il dit, achète pas, c'est pas bon. Quand tu dis ça à un gosse, en général, il goûte. Quand tu dis, ah, c'est très bon, vas-y, il regarde la couleur. Tu dis non, goûte pas, c'est pas bon, touche pas. Il dit, ouais, mais alors pourquoi toi tu manges? Non, laisse tomber, non. Arrête, il dit, ah ouais, mais attends, toi si tu manges, toi, je te connais, tu papa, si tu manges, c'est que c'est bon, vas-y, donne. Je dis, non, arrête, laisse tomber. Tu l'as attrapé. Pourquoi? Il a fait une ménia. Cette ménia, cet empêchement que tu lui as fait, ça a développé l'envie d'eux. Dès qu'il a envie d'eux, il peut progresser. D'accord? Le seul problème, c'est que dans la descente, le Yetzer Hara peut t'attraper. Et donc, comme tu es dans une descente, c'est-à-dire on t'a éloigné, imagine, tu veux rentrer quelque part, on te dit non, monsieur, tu sais quoi, non, monsieur, vous pouvez pas, vous n'êtes pas habillé comme il faut. Ici, excusez-moi, ici, on peut rentrer que dans ces telle et telle condition. Vous ne faites pas partie de ces conditions. Je dis, mais attends, mais hier, tu m'as laissé rentrer avant-hier, pourquoi aujourd'hui, tu ne me laisses pas rentrer? Je dis, non, aujourd'hui, tu ne peux pas. Qu'est-ce qui se passe? Tu commences à discuter, qu'est-ce qu'il faut faire? Je change mes chaussures, quoi, il faut payer plus cher. Tu veux. Maintenant, quand tu vas rentrer, tu vas attraper quelque chose là-bas. Tu vois? Et non, voilà, je voulais venir à un cours de Torah. Ben ouais, mais il y avait 10 places, excusez-moi, ils sont. Non, mais je vais. Comment ça, j'ai plus de place? Mais attends, ben, je reste debout. Non, mais c'est un cours de demi-heure, une heure, tu ne peux pas rester. Non, c'est pas grave, mais oui, tu sais, de l'endroit où tu veux rester debout, il n'y a pas de masgan, il n'y a pas d'air conditionné. Je m'en fous. C'est le cours où tu vas le plus attraper. Ouais, c'est vrai. Pourquoi? Parce que t'as voulu. Donc en vérité, l'un des plus beaux cadeaux qu'on te fait dans ce monde, c'est quand on te repousse. Le seul problème, c'est que quand on te repousse, si la personne elle comprend mal la chose, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'en va. Ouais, c'est mon au lieu de se. Voilà, elle dit, ah, tu veux pas de moi? Ah, tu il n'y a pas de place dans le cours? Ah, je peux pas venir? Ok, tant pis. Comme ils disent en hybride. Mitzar et Khotra. Qu'est-ce qu'il y a besoin de toi? Le problème, c'est quand tu dis ça, le Mitzar tout de suite, il arrive. Et dit, attends, tu vois bien, tu peux pas venir dans le cours. Tu as essayé, tu vois, même tu voulais venir à un cours, tu vois, il n'y avait pas de place pour toi. Tu vois, tu sais pas mettre les tilim, tu sais pas répondre au kadish, tu sais pas étudier. Ouais, tu crois que tu vas étudier, tu vas finir le chasse. Mais attends, mais tu sais tout juste lire. Mère, tu sais quoi? Viens, toi, t'as des gros bras. Viens, tu vas faire de l'athlétisme. Tu vas devenir un champion. Le Yitzhar, il arrive, il va te vendre autre chose. C'est-à-dire que dans la descente, il y a un problème, c'est le Yéhouch, le désespoir. C'est-à-dire, en même temps, elle est incontournable, tu es obligé de descendre pour monter, mais dans le problème, dans la descente, il y a un grand écueil. C'est quoi un grand problème? Un grand danger? C'est que les Yitzhara, à ce moment-là, il vient te voir, il te dit, bon, allez, sois sérieux. Hein? Tu vois bien que c'est pas pour toi. Donc à quoi ça sert que tu continues à vouloir? Viens, moi, je vais te donner des choses que tu peux acquérir. Des choses que tu vas sentir. C'est quoi?
Tu sais quoi? Tu voulais apprendre les lois qui concernent le lait et la viande? Bah viens, moi je vais t'apprendre à être pâtissier. Tu vas faire des gâteaux, tu vas te régaler, tu vas bouffer du matin jusqu'au soir. C'est-à-dire que lui, ça, il va essayer de reprendre ta volonté. Et ça, je te donne des exemples très larges, d'accord? Mais cette volonté qu'on veut que tu développes, en te repoussant, le Yetzer Hara va tout de suite essayer de la réorienter ailleurs, vers des bêtises. Tu comprends? Quelqu'un, il a une bonne tête. Mais pour le moment, il a jamais étudié, mais il a une bonne tête. Il a de la mémoire, quand tu lui expliques, il comprend. C'est une question juste de temps. Il faut qu'il s'asseye. Un jour, deux jours, un mois, deux ans, dix ans, vingt ans, cinquante ans, mazé méchané. Alors à ce moment-là, le Yetzer Hara, il va essayer de lui faire croire que ça ne va pas se faire. Donc, vaut mieux qu'il aille attraper des choses qu'il peut attraper. Ah, tu peux devenir un super joueur de football avec les capacités que tu as. Ou alors, attends, qu'est-ce que tu vas aller te casser la tête à faire de la Gemara et tout? Viens, tu vas apprendre l'informatique et tout, tu vas écrire des programmes, tu vas gagner des millions. Seulement, il oublie de lui dire que dans le Olam Haemet, dans le monde de la vérité, tout ça, ça vaut rien, tu comprends? C'est quelqu'un qui joue bien au football ou quelqu'un qui a écrit des programmes extraordinaires. Bah, s'il avait besoin de Parnassa, il a fait ça. Et à côté de ça, il a étudié, il a prié, il a servi Hachem, il s'est trouvé. Ça va. Mais si c'est devenu sa vie, tu comprends? Les gens te disent, c'est ma passion. Tu veux dire quoi, c'est ma passion? Ma passion d'informatique. De quoi tu parles? C'est que tu travailles, oui, mais toi, c'est pas ça. Un juif, c'est pas un esclave. Donc nous, on ne peut pas se trouver dans des choses d'esclaves. C'est pas nous. On peut se détendre. Tu peux te détendre, tu peux travailler. Mais moi, c'est pas ça. Moi, je viens d'Hachem. Moi, je viens du Moir d'Hachem. Je viens de la tête d'Hachem. Je viens de l'esprit d'Hachem. Comment tu veux que mon âme, elle puisse se nourrir de choses rôles, de choses profanes? Elle peut pas se nourrir de choses profanes. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour le moment, je ne suis pas rentré en contact avec mon âme. Pour le moment, le développement de mon âme, il est embryonnaire. Donc, j'ai l'impression que c'est ça que je veux, mais en fait c'est pas mon âme qui veut, c'est mon corps. Mais comme mon corps il a englobé mon âme, il a éteint mon âme, il me cache mon âme, alors j'ai l'impression que je veux des choses qui n'ont rien à voir. Un bonhomme par exemple, alors je sais pas, quand il n'était pas religieux, il est devenu champion du monde de karaté. Très bien, c'est bien. Mais est-ce qu'Hachem il veut qu'on casse des têtes? En tout cas, qu'on passe son temps à casser des têtes ou à s'entraîner à peut-être qu'un jour on va casser la tête à quelqu'un qui vient nous embêter. Ou à un méchabel, ou à un terroriste. C'est-à-dire, bon, au prochain, pas tous les jours qu'on rencontre un terroriste. Hein? Au prochain. Sauf si on travaille dans une unité spéciale ou dans un. C'est notre boulot, ça, c'est un autre domaine. Je te parle. Alors, ça veut dire que sa volonté, tu vois, cette volonté farouche de vaincre, de soumettre, c'était la volonté qu'il devait utiliser pour soumettre son Yetzer Hara. Et hop, le Yitzhar, il est venu, il l'a pris, il lui a mis dans un autre truc. Il dit, maintenant, tu vas apprendre des katas. Donc, il arrive à Dan Arba. Il devient quatrième Dan de karaté. Non. Et après. Mais par contre, quand il se trouve en face de quelque chose à manger, il ne peut pas se retenir. Il va, parce que pour devenir quatrième Dan de karaté, tu comprends, il faut qu'il aille au Japon faire un stage. Donc là, il faut qu'il mange des choses qui ne sont pas cachères. Mais comme c'est pour faire ça, bon, là voilà. Tu comprends? Il va se rendre. Alors qu'en vérité, cette force qu'il a en lui, cette force extraordinaire qu'il a en lui, tu te rends compte, un ben Adam, un homme qui est capable de se lever chaque jour, de s'entraîner 7, 8, 10 heures, pour arriver à certains niveaux, il faut un entraînement énorme, permanent presque, pendant des mois, des années, des dizaines d'années. D'accord? En vérité, ça, ce travail-là, c'était le travail qu'il avait à faire pour désépaissir son corps, pour entrer en contact avec son âme, pour se dominer. Dominer ses yeux, dominer ses oreilles. Mais pas dominer ses yeux que, et il est capable de pas plier les, de pas fermer les yeux quand il reçoit un coup de poing, tu comprends? Ok? Et là, dominer ses yeux, qu'il soit capable de regarder ce qu'il faut regarder. Est-ce que la Torah l'a dit de pas regarder? Il va pas le regarder. De dominer sa bouche, de dire il y a des choses qu'on a le droit de dire, il y a des choses qu'on n'a pas le droit de dire, il y a des choses qu'on a le droit de manger. On a le droit de manger. Verrouler. Mais le Yetzer Hara, il l'a attrapé. Il lui a redirigé cette volonté farouche qu'il avait en lui. Pourquoi? Parce que dans la descente où lui il était, qu'il n'a même peut-être pas senti, dans la descente où lui il était, il lui a inventé une autre chose. Oui, il l'a mis sur nous. Voilà. Alors nous, c'est pour ça qu'on fait Hanouka aussi. Ah bon? Ouais. Hanouka, c'est que tu viens emmener la lumière
de Hanouka, normalement, le mieux, ça serait d'allumer à la porte de ta maison qui donnerait sur l'espace public. D'accord. En dessous de 10 tfachim. 10 tfachim, c'est-à-dire à moins de 80 cm du sol. Moins, c'est-à-dire moins de 80 cm. Le mieux, le top, ça serait entre 30 et 80 cm du sol. Entre 30 et 80 cm du sol. Ça, c'est le top. D'accord. De l'allumage dehors. Pourquoi? D'abord, il faut savoir qu'Hachem, il n'est jamais descendu à cette distance-là du monde. Il n'est jamais descendu aussi bas. Donc, tu vois qu'à Hanouka, Hachem, il vient dans les endroits les plus éloignés. Dans nos endroits de nuit. Dans Bressel, on appelle Hanouka, on l'appelle la fête de Bikur Cholim. Hachem, il vient visiter les malades. C'est-à-dire qu'il accepte Hachem de descendre encore plus bas que ce qu'il a jamais fait auparavant pour venir nous chercher dans les endroits où il fait de nuit complètement, c'est-à-dire qu'on ne le voit pas. Et là-bas, il nous demande d'allumer une petite lumière, d'allumer un peu de vérité. Dafka, dans ces endroits les plus loin, le domaine public, ça représente le domaine du Yetzirah. Parce que le domaine public, si tu commences, c'est l'abandon. Par exemple, si tu poses ton portefeuille chez toi, il va rester. Si tu poses ton portefeuille dehors, il y a peu de chances qu'il va rester. D'accord. Sauf si tu habites dans un coin Haredi. Alors, il y a quelqu'un qui va peut-être qui va te le rendre. J'ai vu des histoires extraordinaires. C'est vrai. Des trucs incroyables. Et pas des, pas des 5-10 shekels, des gens qui ont trouvé des sommes. Moi, j'ai des sommes qui ont changé leur vie, tu vois. Des 100 000 dollars, des trucs comme ça. Non. Ouais. Des valises, des sacs d'argent. C'est le bonhomme. Par exemple, ils ont trouvé le sac de quelqu'un qui travaille dans un gmar. Un gmar d'argent, tu vois, d'un un endroit qui prête de l'argent. Donc il avait pris son sac ou sa mallette et il y avait dedans, je sais pas, 100 000 shekels, 200 000 shekels, 300 000 shekels. Et puis il fait une situation, il l'a perdu, il l'a oublié. Et l'autre, il la trouve. Il la trouve. Ça change la vie de quelqu'un, 300 000 shekels, tu vois. C'est pas shoot. Des fois même plus. Des fois des sommes, moi, c'est incroyable. D'accord. Bon, mais ça, c'est parce que quand le bonhomme, c'est ça que c'est quand t'es branché, c'est quand t'as de la lumière dans ta vie, ces trucs-là, c'est même pas un essayant, c'est même pas une épreuve. Si tu attaches l'argent à Hachem, c'est pas une épreuve. C'est pas à toi. D'accord. S'il y a pas de signe, il y a pas de signe, c'est un autre problème. Mais s'il y a un signe dedans, il a laissé ça, je sais pas, un numéro de téléphone. Ou tu vois que sur la mallette, il y a écrit appartient à monsieur Simon 054. Tu n'as pas de chez là. Mais non, si t'es pas avec Hachem, si l'esclave il est fort. Elle dit, oh, monsieur Simon, tu l'as perdu ta valise. Hein? Moi, je l'ai trouvée. C'est tout. Ok, maintenant, nous, toute notre vie, elle est basée sur ça. Elle est basée sur le fait de faire le tri entre l'esclave et le fils de roi. Et c'est pour ça qu'il y a la marque loquette sur le tzaddik. C'est pour ça que même les frères de Yosef, par rapport à Yosef, ils ont fait la guerre. Ils n'ont pas compris sa vérité, ils n'ont pas compris sa grandeur. Ils n'ont pas compris, ils se sont fait attraper. À tel point ils se sont fait attraper qu'ils ont voulu le tuer. En fin de compte, bon, Hachem, ils ne l'ont pas tué, ils l'ont vendu, et ainsi de suite. D'accord. Ok, Hachem, il a bien sûr, il a récupéré ça, il a transformé, il a sublimé ça. Mais ça, il faut savoir que c'est le problème. C'est un problème qui vient de la faute d'Adam Harishon. C'est l'inversion. Le bien, c'est pas clair. Le mal, c'est pas bien défini. Au jour d'aujourd'hui, on a l'impression que le bien, c'est pas le bien, et le mal, c'est bien. C'est aujourd'hui quelqu'un qui gagne beaucoup d'argent, qui n'est pas religieux, qui apparaît sur tous les forums, c'est quelqu'un de bien. Quelqu'un qui va s'asseoir, qui est un vrai dans un collège, c'est quelqu'un sympathique. Mais là, quelqu'un qui a une grande famille, alors on dit, mais attends, mais comment tu vas nourrir tes enfants, comment c'est, comment ça. Et par contre, l'autre qui a un enfant et un chien, ça c'est très bien. C'est des choses qui. C'est la vérité, elle s'est complètement transformée, elle s'est fermée. Et le mensonge, il a pris le dessus. On a acquis des midotes qui sont complètement fausses. Donc on revient à Hanouka. C'est qu'Hachem maintenant, il t'emmène à Hanouka une lumière qui vient du Gan Eden. Tu allumes en fait 36 bougies à Hanouka si tu comptes. Ah oui, 1, 2, 3, 4, 36. C'est quoi ces 36 bougies? C'est les 36 heures qu'on a passées dans le Gan Eden. C'est vrai? Ouais, on a passé 36 heures. Adam Harishon, il a passé 36 heures dans le. Comment tu appelles ça? Dans le jardin d'Éden. Ouais, c'est ouais, ça. Ouais. Ok. Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi passer 36 heures dans le jardin d'Éden?
Nous, en quoi ça m'aide? Ouais. En quoi ça me concerne? C'est-à-dire que il a vu là-bas une présence d'Hachem qui n'était pas troublée, inversée, tronquée. Donc, à Hanouka, on te fait un cadeau. On descend jusqu'à toi cette petite lumière pour que tu puisses la voir. C'est pour ça que d'ailleurs, la lumière de Hanouka, tu n'as pas le droit de les utiliser. Tu peux que les regarder. Mais tu n'as pas le droit d'éclairer quelque chose avec. Tu dois avoir un shamash. Tu dois avoir une autre lumière qui fait que tu n'utiliseras pas cette lumière-là. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est une lumière que tu n'as le droit que de regarder. Parce que où elle est, cette lumière, où on l'emmène? Dans les endroits les plus pourris. Normalement, tu la mets dehors, dans le Reshut Arabim, dans le domaine public. D'accord? Pourquoi? Pour venir nous chercher. Pour nous sortir de notre souk. Ah, c'est écrit également pour nous élever de là-bas. C'est-à-dire ramener de la lumière dans un endroit où chez nous il fait sombre. Et donc nous donner la possibilité de faire tchouva. Ok? Ça veut dire quoi, la possibilité de faire tchouva? Ça veut dire remettre le corps à sa place et l'âme à sa place. Et ça, c'est le travail d'une vie. Et tout notre Gan Eden, toute notre place, tout notre contact avec Hachem sera par rapport à combien on a travaillé sur ça. Combien tu as voulu? Je ne te parle même pas de combien tu as réussi. C'est combien tu as voulu que ton âme, elle est le dessus et que tu vives ta vie selon elle et pas comme selon ton corps. Combien tu t'es travaillé dans le domaine de la nourriture, dans le domaine des relations hommes-femmes, dans le domaine des pulsions de ce monde, dans le domaine de l'orgueil. Combien tu as réussi à te travailler? Et ça, c'est un travail d'une vie. Et c'est pour ça qu'on a besoin du tzaddik. Parce que le tzaddik, lui, il a passé son temps à ça. Rabbi Nachman, il a passé son temps à se nettoyer, 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 afin de te permettre, quand tu viens le voir, quand tu étudies ses livres, parce que venir le voir, c'est venir à Ouman, ou le voir, c'est aussi dans son limoud. Il y a son visage dans le limoud. Il y a ce qu'il est, il y a son essence. C'est pas une image. Un tzaddik, c'est pas une image qu'on regarde. Ce qui compte, c'est pas l'image. On s'en fout de l'image. On s'en fiche complètement de à quoi il ressemble. Est-ce qu'il avait des grandes périodes, des petites périodes, est-ce qu'il a une grande barbe, il est gros, mignon ou pas mignon, on s'en fout complètement. C'est son enseignement, nous ce qu'on veut voir c'est son enseignement. C'est ce qu'il nous a donné comme conseil pour remettre l'esclave à sa place et que l'esclave il accepte, c'est-à-dire le gouffre, il accepte de servir l'âme. Parce que tant que le corps il ne sert pas l'âme, je ne peux pas trouver ma place. Non, je ne peux pas être heureux. Je peux me mentir. Je peux m'inventer une vie. Je peux comparer ma vie à d'autres esclaves et dire, ouais, ben, elle est bien, mon ami, ma vie. Ben, voilà, tu vois, lui, il a une vie d'esclave plus 3. Moi, j'ai une vie d'esclave plus 4. Donc, je suis mieux que lui. Mais t'as pas compris, mon avis, tout ça, c'est des vies d'esclaves. On n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour ça. La vie d'un juif, elle est complètement différente de tout ça. Tu comprends ce que je veux dire? La vie, nous, on est branché dans un tachlit. Tu vois, par exemple, j'étais dans le bus, je voulais faire un petit peu une vidéo dans le bus. Et à un moment, une vidéo, j'essaie de faire dans la forêt. Et je me suis assis dans le bus. Tu vois pas que là où je me suis assis? Il y avait le dessin, ils avaient mis des dessins sur le bus, des dessins d'arbres. C'est vrai? Non. C'est dehors, ils avaient mis des collages. Tu sais, des fois, ils mettent sur les bus des. Ouais. Comme ça, des trucs comme ça de quoi, selon les publicités qu'ils veulent faire, tu vois. Donc, alors, moi, je me suis assis, il y avait un arbre. C'est énorme. C'est marrant, c'est nifla. Tu comprends? Quand tu vois le signe, bon, ok, c'est des. Et alors, ça, je dis. Mais tu vois le clin d'œil, ça veut dire, Hachem, il est avec toi. Ça veut. Moi, comment je le comprends ça? C'est pas pour ça que je vais faire au paille de Baudet, parce qu'il y a le dessin d'un arbre, une applique d'arbre sur le bus ou pas. Je prends ça, t'es à ta place. Là, t'es en train de faire ce que t'as besoin de faire. Alors toi, tu pensais que tu devais être dans la forêt, mais non, c'est là où on voulait que tu fasses le Baudet d'ici, là. Regarde même, on t'a emmené l'arbre là où tu es. Tu comprends? Tu es en train de te mettre à ta place. Ça veut dire quoi, tu es en train de te mettre à ta place? C'est-à-dire que tu as ramené le corps à sa place. Et redonner la pole position à l'âme. Qu'est-ce qui va, chien? Et c'est ça qu'il faut se rappeler essentiellement dans la descente. Pour sortir de la descente. C'est que, ok, je suis tombé. Il s'est passé ce qui se passait avec moi. J'arrive pas. Je voulais mettre les tefillines. Ben, y a peut-être même des semaines, des fois, qui passent sans que j'y arrive. Ou alors, je les mets au dernier moment, comme ça, tout juste. J'ai tout juste le temps de les mettre sur mon bras, comme il faut. Ok. Alors, le Yitzhara, il vient et te dit. C'est ridicule. Il commence à parler de la vérité, le Yitzhara. C'est lui, il devient le Yitzhara, il devient celui qui te dit la vérité. Les quatre vérités, tu vois, style. Exactement. Il te dit, attends. Ça fait des mois que tu essaies.
Alors, tu vois que tu n'arrives pas, c'est pas pour toi. Laisse tomber. Arrête, fais autre chose. Prends ton iPhone, fais une partie de tir là-bas, là, en connexion avec 3 ou 4 copains. Tu c'est vas dur voir. en plus de ne pas l'écouter parce qu'on se dit il a raison. C'est ça qui est très dur. Alors voilà, c'est ça. Maintenant, le Hetza, il est là. Et dit, le Hetza, c'est de dire au gars, mais qu'est-ce qu'il veut Hachem de moi, monsieur? Monsieur Y. Hachem, c'est ça qu'il veut de moi? Il veut me mettre que je ne mette pas les tefillines et que j'aille faire une partie de. Comment tu appelles ça? Une partie en, online, ouais, je online crois. Une partie online de guerrier, je sais pas quoi là. Ouais, de Fortnite. De Fortnite. Fortnite. Enfin, c'est plus les enfants, ça, en ce moment. C'est oui, bien, Fortnite, mais... c'est vraiment une forte nuit. Ouais. Bah là, ouais, c'est vraiment devenu un truc mauvais pour les enfants. Ouais, après, comment tu veux que le bonhomme vive une vie normale? C'est-à-dire, il passe son temps à tuer 40 ou 50 personnes sur un truc. Mmh. Tu vois, il gagne des médailles, je sais pas quoi, j'imagine, ouais, ça, des trucs comme ça, des médailles. Il est le meilleur. Ouais, il est le meilleur, il finit, il est le meilleur, il a tué tout le monde. Ouais. Et tu comprends, qu'est-ce que tu prends dans sa tête, c'est quoi être le meilleur? C'est que j'ai tué tout le monde. Ouais. C'est-à-dire, nous, je veux dire, un enfant, normalement, ce que tu dois rentrer dans sa tête, c'est que j'ai réussi à me retenir, j'ai pas sauté sur mon copain parce qu'il m'a manqué de respect, une fois dans la journée, là, j'étais le meilleur. Et lui, qu'est-ce que tu deviens? Et lui, avec ton Fortnite, tu lui apprends quoi? Tu dis, regarde, t'as tué tout le monde, c'est toi le meilleur. Les gens, ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils font. Ouais. Ils ne se rendent pas compte de ce qui rentre en eux, ce qui rentre comme ça, qui, goutte par goutte, goutte par goutte. Ouais. Après, le bonhomme, il vient, il ouvre un sefer d'Alaha, il s'endort. Ou ça l'intéresse pas, il commence à rêvasser parce que sa tête, il se rappelle la partie qu'il a fait, il a perdu contre son cousin Germain. Alors, la prochaine fois, il va prendre une autre arme, il va passer d'un autre côté, tu vois, il refait la partie et le temps passe. Et s'il la gagne la partie, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que tu vas devenir? Qu'est-ce que tu vas être? Alors maintenant, c'est ça qu'il faut se rappeler dans ce moment-là. C'est qu'est-ce qu'il veut de moi, Hachem? Moi, je veux faire être son Hachem. Ok, ça fait des mois que je ne mets pas les tefillines. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis pénalisé maintenant, Hachem, il ne veut pas que je mette les tefillines. Elle dit, tant que j'ai un bras gauche, si je suis droitier, j'ai un bras gauche, donc moi, j'ai une mitzvah de mettre les tefillines jusqu'à l'âge qu'il y a. Jusqu'à la tombée de la nuit, j'ai une mitzvah de mettre les tefillines. Ouais. D'accord? Donc, quoi qu'il arrive, quoi que tu veux, quoi que tu me fasses faire, quoi que tu me dises, moi, toute la journée, je vais chercher à faire. C'est ça qu'on veut. Et c'est comme ça qui rend roi son âme sur son corps, qui redevient un esclave. J'arrive pas et je continue. Et j'arrive pas et je continue. Et j'arrive pas et je reviens et je lâche pas l'affaire. Et un jour, ça s'ouvre. Mais quand ça s'ouvre, ça ne s'ouvre pas que sur les tefilines. C'est après il arrive à mettre et les tefilines, et Rashi, et Rabbeinu Tam, et après en minéal. Tu comprends? Tac! Il a résisté, il a voulu. Tac! Il monte un niveau. Et après, il arrive à un moment où il commence. C'est pas possible, il y a eu des jours où je n'ai pas mis les tefilines. Et je pense qu'à ça le matin, maintenant je me lève plus tôt, je me lève une demi-heure avant, maintenant le matin, pour les mettre à l'heure, pour être le premier au Beit Midrash. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as voulu. Ouais, c'est vrai. T'as voulu, t'as pas lâché. T'as pas lâché. Bah, toute la Yahadout, elle est basée sur ça. Ne crois pas que la Yahadout, elle est basée sur le fait que je connaisse des choses par cœur ou quoi. C'est pas ça qu'on veut. Ce que Hachem, il veut, c'est ce que tu veux. Il veut que tu le veuilles. C'est pas ce qu'il veut, Hachem. Ce qu'il veut le plus de toi, le plus au-delà de tout, c'est que ce que tu vas faire, c'est avec du ratson, avec de la volonté. Je veux. Je ne connais pas bien les Lichot Hanouka, je ne sais pas exactement les Lichot Shabbos, okay, mais je veux. Alors je fais ce que je sais. Je fais ce que je sais. Maintenant, bien sûr que si c'est une volonté sincère, alors forcément il va s'enseigner. Alors, quelqu'un qui ne sait pas où on met les Nerot de Hanouka, ou par rapport à sa situation, des fois par exemple il habite trop haut, où il n'y a pas de cours, alors où c'est le mieux pour lui? Pour allumer. Alors, ok. Bon, Hachem, il y a Torah Box, bon, Hachem, il y a des dizaines d'endroits où tu peux avoir des cours sur ton ordinateur, sur ton téléphone, sur ton truc. Il y a des livres, il y a des petits. Il y a des petits. On te montre avec des dessins et tout. Des illuminés. On dirait des mots Illuminatia. D'accord? On te montre. Donc s'il y a une volonté sincère, elle va à un moment ou à un autre t'amener à un acte. Je fixe. Il y a un rave dans ma bêta Knesset, ou quelqu'un qui est plus avancé que moi dans la halakha, je lui dis, je t'en prie, viens à la maison. Viens. La veille de Hanouka, tu dis, viens à la maison, montre-moi, voilà ma maison, voilà ma situation. Où ça serait le mieux pour moi d'allumer? À la fenêtre, à la porte, en bas,
sur la table ou comment? Comment on commence? De droite à gauche, de gauche à droite, quoi? Quelle bougie on allume la première? Et le chamage? Mais s'il n'y a pas de volonté, il n'y a rien. Ouais. Moi, de base, quand j'y pense, quand vous avez dit d'aller voir ce que vous avez dit par rapport à mon travail, ça m'a rappelé pareil que moi, mes collègues, dès qu'ils ont besoin de moi, je me lève pour aller les aider. Et que là, moi, je me suis dit, bah, pour Ramka, j'ai vu ça, j'ai allumé les bougies, j'ai fait droite à gauche. Mais je savais pas, enfin, je n'ai même pas réfléchi dans quel sens. Mais c'est vrai que jamais je me serais dit, bah, tiens, j'avais qu'à demander à mon Rav, qui est super gentil, de venir m'expliquer, parce que moi, je sais qu'il faut le mettre au niveau de la fenêtre. Donc, je l'ai mis à un endroit où on l'a surélevé, truc, mais enfin, j'ai pas eu le truc de me dire, tiens, je suis juste demandé à un Rav qui m'aide, que de, dans le travail, si j'ai un problème, je sais que je vais demander. Tu vas le faire. Voilà, que là, c'est non, je dis, bah, non, bah, c'est comme ça, bah, tant pis. Donc, c'est vrai que c'est fou. Il coupe. C'est exactement, ouais, c'est ça, fou. La marque loquette, il coupe. Ouais. Dans le travail, c'est normal, je vais retourner à la terre, je vais faire des formations, je vais, ouais, c'est trucs, ça. Je vais m'investir. Maintenant, quand il fait la formation, il est moins payé, parce que c'est, en général, la formation, il n'a pas les commissions, les machins, trucs. Il faut que je parte, des fois, il faut qu'il aille 2-3 jours dans un endroit, parce que c'est là-bas qu'on fait que cette formation. Ouais. C'est vrai que c'est fou. D'accord. Maintenant, en vérité, ça, c'est fait pour lui, Moutora. Cette volonté-là. Mais non, comment ça? Je sais pas ce que c'est Moukté. Je sais pas ce que c'est Moukté. Mais je peux pas faire comme ça. Dans quelques jours, c'est Shabbat. Je peux pas. Je risque de transgresser Shabbat. C'est-à-dire que je risque d'empiéter sur mon Olam Haba. Au lieu de vivre Shabbat, c'est-à-dire de vivre dans le monde de la vérité, de vivre déjà un peu dans le monde futur, du fait que je connais pas les halakhot de base, je vais rester dans ce monde-là. Mais c'est fou. Mais c'est dommage. C'est dommage. C'est-à-dire, toutes les semaines, on me donne la possibilité de vivre dans le monde futur, c'est-à-dire Shabbat. Tu comprends? Ouais. En étant vivant. Et je peux venir avec ma femme et mes enfants. C'est extraordinaire. Ouais. Mais je connais pas les règles. C'est comme quelqu'un à qui tu paierais, je sais pas moi, 2 semaines au ski, tout frais payé. D'accord? Le problème, c'est qu'il ne sait pas que sur la neige, on peut prendre des bâtons qui s'appellent des skis et qu'il faut prendre des après-skis et qu'il faut faire comme ça et puis comme ça. Il ne sait pas. Ouais. Donc, il ne vient pas. Mais je vais faire là-bas. Je n'ai pas envie de marcher dans la neige, il fait froid. Il dit, mais attends, mais viens, on va t'apprendre. On va t'apprendre, tu peux faire des slaloms et tout. Si tu restes 2 semaines, tu peux faire une formation là-bas, tu vas voir, tu vas kiffer. Il y a les bleus, les rouges, les doigts. Tu peux faire des sauts, tu peux t'éclater, toi, ta femme, tu peux faire de la luge avec tes gosses. Il ne sait pas. Il ne sait pas. Ça, c'est tout le travail du Yetzer, c'est de te cacher. Te vendre des volontés d'esclaves et d'empêcher, et que tu n'arrives plus à entendre la volonté de ton âme. Et ça vient en vérité d'un principe qui est énorme. Tu sais quoi? C'est que la Neshama, elle est tellement grande, l'âme d'un juif, elle est tellement grande, qu'elle ne pourrait pas tenir une minute dans ce monde. Ah. Une heure, c'est vrai, elle a dit comme ça, elle a dit une heure. Elle ne pourrait pas une heure être ici. Tellement ça pue ici, tellement ça pue la matière, tellement c'est grossier. Tu vois. Comme des fois, imagine-toi, des fois, tu te retrouves avec des gens, tu vas dans des sales quartiers comme ça, où les gens ils font 2000 fautes d'orthographe par phrase, ils se comportent mal, ils se tapent, ils se crachent dessus, ils sont mal habillés, tu vois. Ça te dégoûte. Tu vois ça, t'as qu'une envie, c'est comment je vais me sortir de là-bas. Ouais. Tu vois? Alors, entre guillemets, si tu veux, c'est un peu le principe de la Neshama dans ce monde. C'est tout est grossier par rapport à la beauté. T'imagines, la Neshama, elle vit dans le palais du roi. Elle vit dans la splendeur de la splendeur. Elle vit dans un monde que de lumière, que de vérité, que de sérénité, que de joie, que de bonheur. Tu l'emmènes dans ce monde qui... des disputes, des mensonges, les gens ils te disent blanc, mais en fait ils pensent noir, des trucs, tu travailles, tu vois, c'est horrible pour elle, c'est horrible. Mais maintenant pourquoi elle accepte de rester? Parce qu'Hachem il a fait une embrouille, c'est qu'il a disséminé dans son monde plein d'étincelles divines qu'elle est venue récupérer. Donc quand elle retrouve une de ces étincelles divines, elle retourne un peu de son du Olam HaEmet, un peu du monde de la vérité. Donc ça lui donne envie de rester, elle accepte de rester pour ça. Le problème, c'est que ces étincelles de vérité, ce qu'il y a dans le manger, quand tu manges, c'est pas l'emballage que tu manges. D'ailleurs, tu vois bien, le gros de l'emballage, il s'en va dans les toilettes. Excuse-moi de l'expression, mais
tu comprends, le gros, ça sort de nous. Qu'est-ce qui reste? L'énergie. Mais en vérité, plus que ça, qu'est-ce qui reste? C'est l'énergie spirituelle qu'on a acquise. Si tu as bien fait ta bracha, si tu as un peu étudié, si tu as pris le temps de manger comme un banadam normal, tu vois, prendre le temps, étudier peut-être, hein, peut-être étudier quelque chose. Ce qui va te nourrir, c'est ce qu'il y a dedans, cet emballage. D'accord? Donc pour ça, la neshama reste. Pour récupérer ces étincelles dans le travail. Le fait que tu viennes au travail, tu viens à l'heure, tu pars à l'heure. Tu mens pas, tu triches pas. Quand tu t'engages à faire quelque chose, tu le fais. Tu comprends? T'aides des fois sur ton compte. Tu aides tes copains, tes confrères, tu les aides parce qu'eux, ils viennent de débarquer, ou alors c'est très en retard, ou il a quelque chose à faire aujourd'hui, il doit partir. Ouais. Tu vois? Tout ça, tu récupères des parties de toi-même. Parce que comme tu concèdes de toi-même, donc tu rentres dans un principe d'humilité, plus tu rentres dans un principe d'humilité, d'effacement, plus tu reçois d'Hachem. Plus tu t'effaces, en fait, plus tu t'espaces au côté esclave. Je dis, attends, j'ai pas le temps, moi, pour l'autre, il faut que je gagne de l'argent. Parce que si je gagne pas de l'argent, je vais pas pouvoir partir en vacances, je vais pouvoir acheter le dernier paquet de cornflakes qui sont sortis au Sherad. C'est pas possible, je peux pas t'aider, j'ai pas le temps. Et celui qui a du temps, c'est qui? Je dis, mais attends, Hachem, il va me donner tout ce que j'ai besoin. Quand je vais aider un autre, je vais pouvoir prendre ça. Je vais l'aider à s'intégrer mieux dans le travail, à fonctionner comme il faut. Et ça va me coûter quelque chose. Et je vais perdre quelque chose de ça. C'est impossible. Même si à court terme, je peux croire que j'ai perdu quelque chose. Mais ce n'est pas vrai. Ce que je n'ai pas gagné comme ça, ou ce que j'ai perdu comme temps comme ça, Hachem, il va me le donner d'une autre façon. Mmh. Tu comprends? C'est ce que j'ai eu, Shabbat. Parce que moi, normalement, je voulais travailler samedi, dimanche. Comme je pars à Paris, si tu veux, mercredi prochain, j'ai dit, bon, il faut que je fasse un peu de sous. Donc, je voulais travailler samedi soir, dimanche. Et une fois, il m'a dit, non, reste avec moi, puis c'était Hanouka et tout. Et j'ai dit, bon, ok, donc mentalement, je suis rentré, j'ai dit, putain, j'ai pas travaillé samedi, dimanche, j'aurais pu faire plus de sous. Moi, c'est Shabbat. Moi, c'est Shabbat et tout. Mais elle m'a dit, bah, franchement, ça m'a fait du bien de passer du temps avec toi. Ça m'a fait du bien, j'en avais besoin. Donc, c'est fou ce truc. Et tu vas voir, tu vas le retrouver. Voilà, et que moi, je me dis, ah, mais là, je m'affiche, je me dis, mince, j'ai pas gagné plus. Mais après, bon, je me dis, c'est à chaque fois. J'ai payé moins cher ton billet. Tu vas pas perdre l'argent que tu aurais dû, peut-être t'aurais perdu ta valise ou un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Le taxi, il y a un copain qui va de te chercher au lieu que tu payes un taxi. Il y a une erreur de la banque, ils vont te rendre ça. Mais tu ne vas pas perdre. C'est-à-dire, le vrai intelligent dans cette histoire, c'est celui qui comprend que s'il rend heureux sa femme, il ne peut pas perdre. Il ne peut pas perdre. C'est pas possible. Ouais. Ça ne marche pas. C'est ça. Moi, je la guette. Je ne suis pas le meilleur exemple, mais je suis d'accord sur le principe. Ouais, enfin, j'essaye quoi, je me dis bon, je sais que c'est important. Alors, en plus, les premières années du mariage, on m'a dit que c'est. Ce que tu fais maintenant, c'est ça va t'éviter les problèmes plus tard. C'est vrai. Moi, j'ai mal fait ma première année, je le paye jusqu'à aujourd'hui. C'est vrai? Ouais. Ma première année, on était toujours invités, il y avait toujours du monde à la maison, des trucs machin, bidule, Pas de problème. Tu apprends moins à te connaître, tu apprends moins à te sentir moins. Alors après, il y a des fissures. Après, tu es tout le temps en train de colmater. Si la première année tu t'es bien occupé de ta femme et tu vas disputer parce que tu la vois en général, si tu la vois un peu plus ou si tu as eu plus d'occasions de se disputer, ouais. Mais tu vas mettre les choses au point, tu vas bien apprendre à la connaître, elle va apprendre à te connaître, vous allez vous emboîter l'un dans l'autre, après ça roule. Alors que si tu dis non, mais attends, je veux pas me disputer de toi, alors tu restes de côté, mais le problème c'est que tu t'es pas emboîté, donc ça roulera jamais. Ça va toujours accrocher, tu comprends? Ouais, c'est ça. Alors que cette première année, tu te sens, elle voit que tu es pour elle, tu es là. Après, une femme qui a été comblée, elle n'a plus de problème que tu travailles tard. Mais une femme que tu n'as pas comblée, qui ne te connaît pas bien, qui n'est pas bien en accord avec toi, dès que tu sors de la maison, elle t'appelle. Où t'es? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu viens? Pourquoi tu viens pas? Où tu vas? À quelle heure tu rentres? Pourquoi? Parce qu'elle a un manque. Parce qu'elle n'est pas rassurée. Elle n'est pas rassurée. Pourquoi elle n'est pas rassurée? Parce que tu n'as pas bien accroché les wagons. Ouais. Alors que si tu as bien accroché les wagons, elle est sûre que tu l'aimes, toi tu es sûr qu'elle t'aime, tranquille, même ouais, si tu as faim. Tu vois, elle est tranquille, les trucs. Et maintenant aussi, il faut qu'il y ait un CDR. Je ne sais pas, le jour tu rentres à 8h, le lendemain à 3h, à minuit. Non, mais elle est rassurée. Une femme qui n'est pas rassurée, c'est parce que le travail n'a pas été fait. Maintenant, nous, on a tendance à dire quoi? Ouais, elle est tordue, elle est machin, elle est bidule, ouais, elle prend la tête, elle est possessive. Pourquoi elle est possessive? Parce qu'elle n'a pas été rassurée. Je parle en général. Il y a aussi des exceptions. Il y a aussi des gens qui ont des problèmes. D'accord? Il y a aussi des gens qui ont des problèmes psychologiques. Ils ont des problèmes. Donc il y a un manque plus profond. Donc il faut combler. Il faut apprendre à combler ce manque. Mais en général, nos femmes, elles sont normales.
Et nous, on est des gens normaux, c'est-à-dire on est tous fous, les Kitsos. Donc on est normalement fous, on est tous normalement fous, les hommes et les femmes. Donc ça, il n'y a pas de problème. On se comprend, il y a une folie normale. Ok ? Donc normalement, une femme qui est comblée, qui est rassurée, tu peux sortir le matin, tu reviens le soir, ne va pas taper toutes les heures. Et si elle le fait, c'est chez toi que ça doit arriver quelque chose. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ma femme ne me fait pas confiance ? Pourquoi elle a peur ? Pourquoi elle me traque ? Ce n'est pas parce qu'elle est mal, c'est parce qu'il y a un travail qui n'a pas été fait. Donc, il faut le travail. Ouais. Tu comprends ? C'est pas dire, oh, laisse-moi tranquille, les dos, débranche-moi, laisse-moi vivre. C'est le contraire. C'est qu'elle vient te dire, il y a un manque que tu n'as pas comblé. Donc, viens, travaille sur ce manque pour que ça ne continue pas. Parce que si tu ne travailles pas, tout ton mariage sera comme ça. Entre guillemets, harcelé. Ou l'homme, il va harceler la femme, ou la femme, elle va harceler l'homme. Tu comprends ? Ouais, alors que ça ne va pas être. Ça peut être. Tu vois que notre ami de Chachamim, l'homme, il pouvait partir 6 mois. Il part 6 mois, il revient. Rabbi Akiva, il est parti 12 ans. Il est revenu, il a entendu ça pas moi, s'il y avait un problème, s'il avait besoin d'encore 12 ans, je lui donne. Il est reparti, il est parti 24 ans. Ah, c'est ça. Il ne connaissait pas son fils. Essaye d'imaginer ce que ça veut dire. On dit des phrases comme ça, tu sais, s'il ne connaissait pas son fils, waouh. Wow. Mais essaye, nous regarde, rien qu'on parle une semaine. Et on revient, on a du mal à reconnaître les petits-enfants. Ils sont plus habitués à nous, ça prend quelques heures. T'imagines un banana, il n'a pas vu ses enfants 24 ans. Il n'y a pas de problème. Et tout s'emboîte. Pourquoi ? Parce que c'est un. C'est plus un parce qu'on est à côté l'un de l'autre. C'est plus une proximité de corps. C'est une proximité d'âme. On est un. Tac. Donc même si on n'est pas ensemble, on est ensemble. Donc il n'y a pas de manque. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Par contre, s'il n'y a pas cette proximité d'âme, même quand ils sont ensemble, ils ne sont pas ensemble. Parce qu'ils ne sont pas emboîtés. Maintenant, bon, j'ai fait. Bon, allez. C'est. Bon, Adonai l'olam. Amen, amen. On n'a pas été du juste, je vais la finir. Ou quand j'ai amour, on a mis quoi. J'ai raison, non, ok. Mais c'est un ok. Qui aïe à la même quoi, les trois traces de shalom à l'idée d'Ibouréam. Va marcher chez Zéamar, David Amelech à la vachom. Et c'est ce qu'il a dit, David Amelech. Salim Ritfouni Chinam. Il dit, il y a des gens importants qui m'ont poursuivi gratuitement. Aïe nous, av, chèque d'Olim Vesalim Ritfouni. Et David Amelech, ce qu'il voulait dire, c'est que bien que ce soit des gens très importants qui m'ont pourchassé, donc il y avait un fort potentiel de me faire tomber. Si tu te rappelles le début de la conversation, le début de la sikha qu'on a dû, la conversation, c'est que si, quand on dit du mal, quand il y a plusieurs personnes, quand il y a des personnes qui disent du mal de quelqu'un, qui font marque le cas sur lui, ils peuvent le faire tomber de son niveau de truc. Alors David Amelech, il était tellement grand, il était tellement fort, il était tellement annulé à Hachem, parce que grand chez nous, grand, fort chez nous, c'est pas qu'il était baraqué, qu'il courait le 100 mètres en 10 secondes. Ça n'a rien à voir. Chez nous, c'est quoi grand et fort ? C'est qu'il était complètement annulé à Hachem. Plus il est annulé à Hachem, plus il fait la volonté d'Hachem, plus il est grand et plus il est fort. Et ça n'a rien à voir avec son tour de biceps. Ou avec sa capacité de répondre à l'autre et de le faire taire. Rien à voir avec ça. Où est son ratson ? Plus ton ratson il est avec Hachem, plus ta volonté est de faire ce que Hachem il veut, et plus tu es grand. Et plus tu es fort. Et plus tu es vrai, et plus tu es à ta place. Et donc tu vas être heureux, toi, ta femme, tes enfants. Parce que quelqu'un qui vit dans la vérité, il va être heureux, il est serein. Par contre, quelqu'un qui vit dans le mensonge, il ne peut pas être heureux. Donc qu'est-ce qu'il fait ? Il se ment, il se fait croire qu'il est heureux. Il rigole. Je me suis toujours demandé pourquoi. Il y avait beaucoup de comiques qui finissaient par se pendre, se suicider. Je dis, mais attends, je ne comprends pas, il a l'air tellement marrant. Il fait rire des salles entières. Comment ça se fait qu'après il se suicide ? Parce que c'était que de la parole. Parce qu'à l'intérieur, c'est un homme très très triste. Parce qu'il ne s'est pas trouvé. C'était pas trouvé. Mais il a réussi à se donner des apparences. Ouais, c'est ça. D'accord ? Il a vécu dans un mensonge toute sa vie. Et il y a un moment, il n'arrive plus à vivre dans ce mensonge. Donc il dit, si c'est ça la vie, eh ben, je la quitte. Tu vois ? Alors tu comprends pas, mais je comprends pas, il avait tout. Il était heureux, il passait à la télé, il remplissait des salles, il avait plein d'argent,
Voilà, il se marie avec les plus belles de ci, les plus belles de ça. Et, oui, mais dedans, il n'y avait rien. Il y avait dedans, il y avait un vide total. Parce qu'il n'y avait pas de, il y avait pas de Ben Meller. Il n'y avait pas le fils de roi, il n'a pas trouvé le fils de roi qu'il y avait en lui. Donc à un moment, il fait, ben, je suis un esclave. Donc il a dit, les dafonichinam, dans le sens, ils m'ont poursuivi gratuitement, pas gratuitement, ils m'ont poursuivi pour rien, c'est-à-dire qu'ils n'arriveront pas à me faire tomber de mon niveau. C'est-à-dire, tu te bats contre moi gratuitement. C'est gratuit ce que tu fais ou ça sert à rien. Dans le sens, ça sert à rien. Bien qu'ils se sont opposés à lui, qu'ils ont dit du mal sur lui, qu'ils se sont disputés avec lui, ils n'ont pas réussi à faire tomber David Améla de son niveau. Il est resté tout le temps attaché avec Hachem. Vasiman ki umidvarcha pachad libi. Et le signe, c'est quoi? Il dit que David Améla, il a continué à avoir peur des paroles d'Hachem, c'est-à-dire à craindre Hachem autant que quand il n'y avait pas sur lui cette marloquette, cette dispute. Shani me parad midvarcha, c'est-à-dire j'ai peur de tes paroles, c'est-à-dire d'ayinu sheesh li yirat shamayim, c'est-à-dire que j'ai de la yirat shamayim, de la crainte d'Hachem. Ve eni nofer mi madrigati chas v'shalom, et je ne tombe pas de mon niveau. Ve ze siman sharedifa shelahem chinam, et ça c'est le signe que leur redifa, que leur poursuite, elle est en vain. Bechinat sarim udafoni chinam, comme on a dit, donc sarim, ces grands-là, ces gdolim, ces gens, les dafoni, ils m'ont pourchassé pour rien, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas réussi à me faire tomber. D'accord? Voilà. Donc nous, de ça, on doit comprendre que nous aussi, on est pourchassés en permanence par notre corps. Et il est en permanence en train d'essayer de nous tirer vers le bas. Maintenant, à nous de travailler, à nous de nous attacher au tzaddik et au conseil du tzaddik. Comment tu manges, comment tu dors, qu'est-ce que c'est une journée réussie? Benjamin, c'est quoi une journée réussie? C'est quoi? C'est que c'est une journée où j'ai fait de l'argent, c'est une journée où j'ai appelé ma mère, c'est une journée où j'étais faire du shopping avec ma femme. C'est une journée où j'ai joué au tennis, où j'étais faire les musées. C'est une journée où j'ai pu rester au lit et faire la grasse mat. Non. C'est quoi une journée réussie? Une journée réussie, c'est une journée où j'ai pu faire Tikkun HaKlali, où j'ai pu trouver un moment pour parler avec Hachem, où j'ai étudié un peu d'Halakha. Voilà. Et une journée où j'ai exprimé ma volonté de m'approcher vers Dieu. Ça, c'est une journée réussie. Une journée réussie, c'est une journée où j'ai réussi à parler avec Hachem et lui expliquer plus ou moins où je me trouvais et ce que je voudrais et combien il me manque. C'est-à-dire, j'ai réussi à faire le beau des doutes. Ça s'appelle, dans Breslev, c'est ça qui s'appelle une journée réussie. Maintenant, combien j'ai réussi à prier, combien j'ai réussi à étudier? Ok, si Hachem l'a ouvert, ben, bon prochain, mais s'il n'a pas ouvert, mais demain je reviens. Et demain je reviens jusqu'à ce que ça va bien s'ouvrir. Donc, rien que de savoir ça, il faut savoir que nous aussi on nous poursuit. Maintenant, à nous de travailler pour que cette poursuite elle soit en vain. C'est-à-dire notre côté corps, notre côté esclave, ce côté qui tend vers la matière, qui tire toujours vers le bas, ce soit pas lui qui décide de notre vie et de la direction de notre vie. Et là, que ce soit notre âme. Ça veut dire quoi notre âme? Ma ratzon Hashem. Qu'est-ce qu'Hashem il veut de moi? Ah, tu m'as fait tomber une heure, une demi-heure, presque toute la journée. Maintenant, tu me laisses un peu de temps libre. Je me suis réveillé, tu vois, comme quelqu'un qui était saoul, tu vois. Il a cuvé son vin. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il va dire? Il commence à se plaindre sur toutes les heures qu'il a passées, qu'il a perdues parce qu'il a cuvé. Non. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Qu'est-ce que je peux rattraper maintenant? Voilà, ça aide. Au revoir, au revoir, au revoir.